Et salut à tous et bienvenue, je suis Linklagis pour vous servir et j'espère que vous allez bien. Ça fait très bizarre d'entendre ce thème sous cette version-là. Vraiment très bizarre, mais salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo démo, vous le voyez, nous sommes sur Kingdom Hearts Melody of Memory. Un jeu que j'étais curieux, je l'attendais pas impatiemment, mais bon, j'étais quand même curieux de voir ce que ça pouvait donner. Un jeu de rythme sur les musiques de Kingdom Hearts, donc clairement, j'ai envie de dire oui, go, allons-y. Testons ça, découvrons ça. Alors, merci d'avoir... Oui, non mais tu me remercieras après avoir joué, s'il te plaît. Dans ces niveaux, vous allez combattre les ennemis sur le rythme de la musique avec pour objectif de rejoindre l'arrivée. Vous pouvez utiliser différentes touches pour attaquer, sauter, utiliser compétences. Les indicateurs de rythme désignent le moment où vous devez appuyer. Le cercle externe se resserre peu à peu. Attendez puis le moment. Oui, bon, go. Oh, ils ont repris le. Les skins du jeu sur téléphone. Donc, attaquer avec croix. Oui, bah, j'allais le faire, mais du coup, le jeu, il bat. Et niveau musique? Vous pouvez aussi attaquer avec R1 ou L1. Là, on attaque avec rond, du coup. Ah non, c'est avec la même touche? Ok, d'accord. Appuyer sur deux touches d'attaque en même temps. D'accord, ok. Mais sinon... J'ai les cristaux de compétences, oui. Et ça, faut sauter, j'imagine. Avec rond. Ok. Ah oui, d'accord. Par contre... Ah oui, d'accord, ok. Mais c'est possible d'avoir une musique, s'il vous plaît? Maintenant, c'est le moment de le pratiquer sur la musique. Ah oui, c'est quand même mieux. Donc. Voyons voir ça. J'ai raté. Bébé, what? J'ai appuyé. C'est... va falloir s'y faire. What? What? Mais... C'est pas évident. C'est très con, mais ouais, c'est un truc à prendre en main. C'est vraiment un truc à prendre en main. Bon, voilà, j'ai appuyé, ça a rien fait. Par contre, j'ai appuyé un peu tard, je pense. C'est... En fait, c'est bizarre. En termes de maniement, c'est bizarre. Parce que certains mobs sont, entre guillemets, entre deux lignes. Et du coup, je sais pas trop avec qui les taper, vous voyez. Bon, après, c'est un coup de main à prendre, hein, j'imagine. Mais j'avoue que là, pour l'instant, je suis un peu paumé. Bon, dès qu'on rate, on perd les PV. Pour éliminer certains ennemis, il faut les attaquer plusieurs fois. Donc oui, ça, on a vu. Et ok. Alors, morceau au choix, allons-y. Voyons voir ça. La R1 pour la difficulté, les objets ne peuvent pas être utilisés dans la démo. Oui, bon bah ça... Ah non, ouais, Wonderland ça va aller, merci mais non merci. Ouais... Bon, on regarde un petit peu ce qu'il y a. En tout cas pour cette démo... Est-ce que...
Ah non, ça c'est au hasard. Alors, vous avez le choix entre trois styles de jeux différents. Le gameplay change du tout au tout selon le style. Bah, on va faire les trois, hein, en soi. Standard utilisé dans le jeu. Le style simplifié, où vous réalisez toutes les actions avec une seule touche. Choisissez ce rythme pour vous concentrer sur le rythme sans vous soucier des touches. Ouais. Lorsque vous planez dans ce style, les déplacements latéraux et les attaques des vocales qui pied au sol sont réalisés automatiquement. Ah oui, c'est vraiment vrai, ok. Le style convient aux joueurs avancés. Des notes virtuoses supplémentaires apparaissent et vous devez les frapper avec les touches correspondantes comme carré L2 et R2. Oh là oui, ça commence à faire beaucoup. Oui, je suis très nul en jeu de rythme, mais alors. Vous ne subissez pas de dégâts si vous ratez une note virtuose. Frappez les notes à la suite pour augmenter votre combo. D'accord. C'est du point bonus, ok. Va pour le normal, ça paraît bien. Bon, classe par jeu. Et donc sur la démo, on a tous ces trucs-là. Bah, excusez-moi, mais le pays des merveilles, hein, ça ira sans moi. Ça ira clairement sans moi. J'étais en mode expert ou j'ai rêvé? Je crois que j'ai mis mode expert sans le vouloir. Eh ben on va mourir. Je vous le dis direct. Ah, c'est très con, mais en gros... ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et puis j'ai appuyé. What? Mais... Bon, attendez, on va repartir de zéro. Alors, il y a un truc, c'est que j'ai... Comme dans beaucoup de jeux de rythme où il y a plusieurs lignes, la ligne de gauche, c'est carré. La ligne du milieu, c'est croix. La ligne de droite, c'est rond. D'où le fait que vous voyez Sora sauter très souvent. Le problème, en fait, c'est que là, c'est pas du tout ces touches-là. C'est L1 pour la gauche, croix pour le milieu, R1 pour la droite. C'est pas du tout, je trouve... c'est pas du tout intuitif, je trouve. Parce que du coup, la touche de gauche est à gauche, on est d'accord. Mais là, à droite, il y a la touche du milieu et de droite. Non, par contre, oui, on va faire ça et on va se mettre en mode normal, hein, parce que là, je... donc, mode standard, et bon, débutant peut-être pas non plus, mais au moins mode standard. Mais c'est, pour moi, c'est pas du tout intuitif d'avoir la... deux attaques de lignes différentes du même côté. Ça, on a là. Ah, je peux pas, sur les deux. Et du coup, je me concentre pour justement appuyer du bon côté. Et du coup, je dis, mais je parle plus. Ah! C'est compliqué. Même pour ça, je me concentre, c'est ouf. Là, j'ai eu le réflexe d'appuyer sur rond, alors qu'en fait, pas du tout. Et là, c'est terrible. Ouais, c'est... En termes d'ergonomie de la manette, c'est pas ouf. Je trouve que c'est vraiment pas ouf. Le jeu peut être très sympa,
Mais je trouve que les touches sont mal choisies pour le coup. C'est très con, mais bon. On a quand même fait un petit rambé, hein, mais bon. Je suis pas extrêmement hypé pour l'instant, c'est dommage, parce que ça aurait pu être très très cool. Bon bah allons-y, hein. Je pense qu'on va se faire les trois musiques du bas, et puis on s'arrêtera là pour cette petite vidéo découverte. On fera peut-être un test du mode tranquille et du mode virtuose pour voir ce que ça donne. J'ai appuyé, ça a rien fait. Ah non, ça fait... Ah, je... Mais... Oh, je sais pas comment je l'ai passé, ça. Ah, c'est... Oh, secours. Généralement, je suis quelqu'un qui adore les jeux de rythme, mais généralement, je suis pas très très doué pour ça. Mais j'avoue que là, j'ai l'impression d'être extrêmement nul. Ah non, mais vraiment, j'ai du mal avec les touches. C'est assez bizarre, en fait. Comme je dis, pour moi, c'est contre-intuitif d'avoir plusieurs touches d'attaque pour des lignes différentes du même côté. C'est... voilà, j'aime vraiment pas ça. Waouh. Waouh. Vous voyez, c'est ça, là clairement on a eu l'exemple parfait. C'est qu'à la fin, il y a tellement de mobs qui s'enchaînent que du coup, je perds mon... je perds le entre guillemets, peu de réflexes que le jeu m'a mis en 10 minutes de jeu, là. À savoir L1, R1, croix. En revenant sur ce qui a quasiment toujours été fait sur des jeux de rythme, en ayant bah, un coup à gauche, un coup au milieu, un coup à droite. C'est vraiment bizarre. Voyons qu'est-ce qu'on a vite fait là, Ouais, bon, pas grand-chose. Mais ouais, c'est... Je suis pas convaincu par le truc. Et du coup, voyons voir. Si on tente ce truc en mode simplifié, qu'on profite quand même de la musique... Et on testera le truc virtuose sur la première mélodie et on verra bien. C'est même comme ça, vous voyez, j'ai vraiment du mal, c'est très con, mais j'ai du mal à voir en fait le délire de ces touches, mais bon. On va donc tester et juste regarder à quoi ressemble le mode virtuose. Vu ma qualité musicale juste avant, ça va être drôle. Waouh ! Mais... Waouh, non, ouais, d'accord. Ok, c'est pas pour moi. Trop de trucs à la fois, trop de trucs à la fois pour moi, c'est mort. Mais
Et mais là par contre je vous jure que j'appuie sur la touche, j'appuie sur les touches mais ça ne se lance pas. Ok, ça m'a saoulé. Le board virtuose, c'est clairement pas pour moi. Allez, on va se finir sur cette musique qui m'est restée en tête pendant des semaines après avoir fait le let's play de Cache 1. Et ensuite, eh bien, on s'arrêtera là pour la découverte de cette démo qui, pour le coup, me hype pas plus que ça, en fait. J'attendais pas grand-chose d'un jeu de rythme Cash. Et j'avoue que même ça, ça réussit à me... Ouais, vous voyez, je crois... Putain. Oui, à la différence d'un théâtrisme FF, où les contrôles sont cool, ça se passe bien, etc. Je trouve que là, ils ont voulu faire trop de trucs à la fois. Ce qui, je trouve, est un peu dommage. Et bim! C'est un truc de fou le planage là. Ouais, bah je suis pas du tout hypé, c'est dommage. Parce qu'en vrai, comme je dis, j'en attendais pas beaucoup, mais ayant adoré Théâtrisme FF, je me disais que ça pouvait être très cool en fait. Ça pouvait être vraiment très très cool. Et là, pour le coup, du peu que j'en ai eu en main là, je suis vraiment pas fan. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais bon, écoutez, c'est l'avantage d'avoir pu tester le jeu en démo plutôt que l'acheter de s'en compte qu'au final j'aime pas. Au moins on a pu voir ça. Et pour le coup, bah, n'hésitez pas à vous me dire votre ressenti si vous avez pu le tester. Je rappelle que la démo est gratuite sur le PSN. Et pour le coup, bah, nous on va se retrouver très bientôt. Soit pour de nouvelles aventures, soit pour de nouvelles démos. D'ici là et dans tous les cas, portez-vous bien. Et que la funk soit avec vous les amis. Ciao ciao.